Cette année, nous lançons la dynamique autour des Jeux Olympiques pour valoriser notre label Terre de Jeux 2024. De nombreux moments sportifs seront organisés, comme par exemple une semaine olympique et paralympique pour promouvoir la pratique sportive en faveur de la santé des jeunes. Ou encore l'installation d'un village olympique en juillet proposant la diffusion d'épreuves sportives à l'occasion des Jeux de Tokyo. En 2021, nous souhaitons renouveler notre soutien à la culture dans l'espoir de retrouver des moments de partage, de rencontres et de belles découvertes. Nos associations et les artistes, en général, ont souffert de cette crise sanitaire. C'est pourquoi nous avons à cœur de leur permettre de se rencontrer au cours de réunions régulières, destinées à coordonner leurs activités, à entendre leurs propositions et à perfectionner leurs actions. Nous impulserons aussi le soutien aux initiatives artistiques, quelles qu'elles soient, musique, art plastique, théâtre, littérature, cinéma, afin de promouvoir les talents de la ville, et nous savons qu'il y en a beaucoup. Enfin, nos événements devraient à nouveau rythmer notre année, avec quelques nouveautés. La première compétition de e-sport pour nos jeunes. Un loisir au parc, toujours en accès gratuit, mais sur une période estivale plus longue. Et surtout, ils seront organisés dans une nouvelle démarche éco-responsable, définie par une charte qui s'appliquera à tous les acteurs locaux. Elle permettra de préserver toujours mieux notre environnement. 2021, chaque jour, une ville un peu plus dynamique.